Je vous retrouve devant ma bibliothèque. Ça fait un bail que je vous parle que je veux en avoir une, enfin que j'aimerais en avoir une et que c'est en projet d'en avoir une, que tout le budget est prêt, que l'emplacement est prêt, là, vous voyez là, c'est juste là. Et donc là, vous voyez le résultat tout monté. Et moi, je vais vous montrer du coup du montage de la bibliothèque et ensuite le remplissage de la bibliothèque. Du coup, je vous laisse avec les images.
Donc vous pouvez le voir, je suis très heureuse de l'avoir. Ça fait très longtemps que je la voulais. J'ai pu l'arranger comme je veux, mais comme vous avez vu dans les images, elle est un peu vide parce que j'ai encore, je pense que j'ai au moins 80 livres encore qui restent chez mes parents. J'ai une bibliothèque entière en fait chez mes parents, pas aussi grande que celle-là. Elle est un peu plus petite en fait, c'est un peu un Kallax, une Kallax, vous savez, les meubles IKEA Kallax avec 8 compartiments, pardon. Donc ça, c'est cette taille-là qui est remplie. Et donc j'aurai juste à remettre dans cette bibliothèque, je vous ferai un update, de la bibliothèque en vous refilmant en organisation de bibliothèque, quoi. Et puis je vous partagerai ça. Et puis pour l'instant, j'ai rangé, je vais peut-être vous dire par comment j'ai rangé. Là en fait, ce que vous voyez derrière moi, ça c'est les livres que je n'ai pas encore lu, c'est ma pile quoi. Et là, ce que vous voyez en petit bout là, c'est les livres que je suis en train de lire, donc il y en a pas mal. Et tout le reste, ce sont tous les livres que j'ai lus. En fait, ensuite, je les ai mis par catégorie, donc les beaux livres ensemble que vous avez vus avec les romans éternels, puis les romances avec les Hugo romans, et puis les vampires tout en haut, qui sont tout là-bas, là, si vous vous souvenez par rapport aux images que vous venez de voir. Mais je sais pas si ça sera définitif, hein. Je pense que je vais rechanger ça quand j'aurai les autres livres, évidemment je vais rechanger l'organisation. Je vais pas accumuler tout sans trier quoi, donc je pense que je vais faire ça. Et puis je vais possiblement rajouter des étagères tout en bas, vous avez vu qu'il y a des endroits, enfin tout en bas là c'est tout vide en fait. Et donc je vais sûrement rajouter des étagères et ma pile la mettre plutôt en bas. Mais bon, je verrai bien comment je m'organise. Du coup voilà pour ma bibliothèque, je suis trop contente, hein, ça se voit, j'ai la banane comme on dit. Du coup voilà pour cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu parce qu'en tout cas moi je suis trop contente de la faire et je pense faire des, comme je vous ai dit, hein, des updates de comment je l'organise de nouveau quand je fais des changements dans la bibliothèque, tout ça. Je pense faire des petites mises au point quoi pour voir l'avancement et pour voir au fur et à mesure comment ça se remplit. Là derrière moi ça a l'air très rempli mais finalement il y a juste cette partie au final qui est très remplie quoi. Du coup voilà pour cette vidéo et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine. Ciao.